Cette semaine, on reprend là où on s'est laissé dans le vlog de la semaine passée. On est pogné en France, puis notre chum cocotte nous invite au GP Explorer. Bon vlog! Ok, ben rendu là, pourquoi qu'on fait pas quelque chose ensemble? Je suis en France ici. Je suis une des animatrices du GP cette année, donc je peux vous prendre des billets VIP si vous voulez. C'est quoi ça? Le GP, en fait, c'est plein de créateurs de contenu français ensemble qui font une course dans des F4. C'est un des plus gros événements en France. Il va y avoir comme genre 60 000 personnes en présentiel. Fait que gagnez-vous une chambre d'hôtel, puis bonne chance pour le Mans parce que Chris, que le déplacement va vous coûter cher. Puis trouvez un hôtel et ou un Airbnb, bonne chance. Bon, mais ça va être nice, là! Pas qu'on s'est dépêché de réserver des places à dormir pour nos premières nuits en France, et en effet, il restait plus grand-chose dans la ville où le GP Explorer avait lieu. J'ai jamais payé autant cher une chambre d'hôtel, autant PS que ça. Ça n'a pas de sens, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose de quand même pas si pire. Bah, juste 1 100 $ pour toutes les nuits. Astuce qu'on va être pauvres après ce voyage-là. On était déjà pauvres, je pense. Mais pas moi, mais... Hey, fuck toi, ben paye pour tout d'abord. C'est réservé. Let's go! Fait que j'ai vraiment faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. Faut qu'on se rappelle que quand on part d'ici, on n'a plus de Wi-Fi. Y a-tu un Best Buy ici? Hein? Là, on a un hôtel à Paris pour ce soir. Puis après ça, on irait... Au Mans. C'est là où c'est le GP, là. Ouais, de vendredi à dimanche. Ce soir, on dort Paris. Ouais. T'es-tu content? Je sais pas, je connais pas. On va connaître. La dernière fois que je suis allée, je me suis fait chienner plein de fois. T'es déjà allé? Ouais. À ce point-ci, il était environ 11h30 en France, mais 5h30 du matin dans notre corps. On avait tous mal dormi dans l'avion et on avait faim en tabarnak. Donc, café et croissant étaient de mise du coup. Est-ce que vous faites des cafés et latés avec du lait d'avoine? Non, on a du lait normal, madame. On a du lait normal. Ok. Je vais prendre un croissant, s'il te plaît. C'est pas populaire en France, le lait d'avoine? Si, si, c'est juste que nous, on le fait pas. Ok, j'ai eu peur. Mucho, mucho gusto. À Montréal. On a mangé pendant que le jet lag a commencé à hit encore plus et on est allé attendre notre Uber à l'extérieur. Ok, là on a réservé. On a réservé. Ok, là moi je suis fatiguée en tabarnak. Je viens de me chier le corps. Quoi? Je vois plus clair. Ok, attendez là. Le Uber est arrivé, fait que moi juste pacter le char puis je vais essayer de vous dire ce qu'on fait. Ok, so, dans le fond, là on s'en va. On s'en va... Big night life! Mon cerveau, il est pas là, là, en ce moment, là. Yo, je suis en jet lag. Fuck you. On s'en va get une carte SIM pour non. Télé... Non! Quoi? Ça va dans, à l'hôtel. Ouais? Ouais, c'est ça qu'on fait, Alex, non? Mm-hmm. Puis... Alex a failli se faire scam de 5 000 $, mais on vous en parle tantôt parce que là, ça va pas, là. Je vais vous raconter le scam de 5 000 $ pendant qu'on passe dans le carrefour giratoire de l'Arc de Triomphe. Je me demande en Nestie, il y a combien d'accidents par jour dans cette affaire-là, c'est tellement le bordel. Anyways, Alex a loué un appart sur Airbnb pour notre première nuit à Paris, mais le propriétaire lui demandait d'y faire un dépôt de sécurité de 5 000 $. Red flag. Fait qu'on a cancel ça, puis j'ai booké une autre chambre d'hôtel assez... spacieuse. C'est ça, l'ascenseur. Ouais. Ouh! Non, pas avec ta valise, je pense pas que ça va marcher. Non, impossible. Allez, je suis en train de die. On te va en haut? Les bruits. What the fuck? Bon ben, les gars se sont rendus. C'est rassurant. Non! Je pensais que c'était plus grand par là. C'est gros comme on a le situé. J'ai lâché un nest pet, ça pue le Chris. Comme chien et culotte. Genre, dans la petite chambre qu'on est, en plus, c'est sûr qu'on va sentir dans 2 secondes. On a checké le chemin pour aller acheter des cartes SIM pour nos téléphones, puis en revenant, on est allé souper au resto. Donc, à défaut de pas être en Italie, on mange dans un restaurant italien. C'est une étampe psycho. T'es-tu en psychose, baby? Je crois vraiment que je suis pas, genre, je suis pas au courant de la...
l'hiver qu'on est en ce moment. Italia. Parmesano. La diarrhea de Alio. Legit, moi je pourrais jamais manger ça là. Ben non, sinon tu nous ferais manquer notre vol pour l'Italie. J'ai été très satisfaite de mon premier souper, c'était bon dans la gueule, en esti, même si on était tous un peu en train de devenir doudou craque à cause du jet lag. On s'en va se coucher. Moi, j'ai l'impression que genre, je flotte, genre. Puis il y a un délai quand vous me parlez puis quand je parle, genre. Ouais. Ouais. Jour 2, on est en train de déjeuner. Ouais. Oh. Damn, Alex, you're giving friends. On s'en va rejoindre Cocotte aujourd'hui. On a déjeuné, ou je devrais dire, on a pris le petit déjeuner dans un resto français, pis c'était bon, hein, tabarnak! Hé, ouais. La fucking tour Eiffel! What? C'est qui, eux? Si! Ok, là, on s'en va prendre nos bagages à l'hôtel, on prend un Uber, pis on va prendre le TGV, pis on s'en va rejoindre Cocotte au Mans. Yeah! On est allé prendre le TGV pour aller de Paris jusqu'au Mans. C'était censé prendre 2h30, mais ça a pris plus de 3h se rendre. Mais on y est arrivé finalement. On est où, tabarnak? Au Mans, puis. Sacrement! Calice! Au Mans! Ok, je pense qu'on sacré. Pourquoi tout le monde marche calmement? Pourquoi tout le monde est blanc? Non. Tout le monde, doucement! Tout le monde mettait du déodorant. Ah, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, mais notez quand même, Carlis. Il disait qu'on allait arriver à 5h30. On est arrivé à 6h17. C'était un mensonge. Changer de pays, ça fait changement. Shane, t'as vraiment des beaux vêtements. Oh, thanks. Tu veux les enlever? Arrête de parler stupidement. Faut aller aux toilettes, sinon je vais pisser vraiment. Moi, je parle impeccablement. Est-ce que vous savez c'est où que je peux pisser? J'en ai vu en bas des toilettes. Ok, merci. Après ma piste, on est parti en Uber vers notre appartement qui nous a coûté 1173$ pour deux nuits. Fait que c'est là qu'on dort. Putain! Oh putain qu'on est bien! C'est cute? On dirait pas là. L'appartement était quand même cool, 1173$ pour deux nuits, mais à trois étages. 1173$ pour deux nuits, mais j'avais ma chambre à moi tout seul. 1173$ pour deux nuits, mais sans calice d'air climatisé quand il fait 34 degrés. Merde. C'est hot quand même. Merde, il fait beaucoup trop chaud là. L'air chaud monte en esti. Ça travaille bien trop fort pour dormir dans une place pas d'ici. Toutes les places avaient pas d'ici. Ben, en France, ils font pas de électricité. Ils sont absolument caves. Je comprends pas. C'est impossible, ils vivent de même. On a continué de bad trip sur le fait qu'on avait pas d'air clim. Alex s'est mis tout nu, puis j'ai appelé Cocotte pour avoir plus d'infos sur le GP. On vient d'arriver. Attends, je suis en train de pisser 2 secondes. Ok, j'arrive. Allô, le bitch! Hey, Fossi! We're in town! Je sais pas si vous avez l'intention de venir à l'heure demain. Quelle heure qu'il faut? Le show commence vers 10h. Dans le sens que les personnes commencent à rouler à 10. Si vous voulez, là, admettons, à une certaine heure, prévenez genre une heure d'avance, c'est le mec qui va vous frapper. Je vous texte durant la journée demain quand je peux venir vous voir tout. Ok, bye! Ouais. En allant manger au McDo, j'ai croisé un petit bébé yobou. Allô? Il se frotte, il veut que je le flotte. Il est mignon. Bye. Regardez la file, les garçons. Oh, oh là là! Pourquoi il y a une grosse queue comme ça? C'est une nestie queue. Merde! Ouais, il a roulé sa queue. Ça va le trajet du Québec ou... Fait qu'on a commandé au McDo, honnêtement, je préfère x1000 notre McDo. En plus, checkez ce que la fille est venue nous annoncer pendant qu'on commandait. Eh, votre attention, on est en rupture croque McDo. Voilà, on n'a plus de croque McDo. Oh, tabarnak! Calisse! Pas de croque McDo, baby. Elle a dit pas de croque McDo. Merde! Pas de croque McDo, à ce paraît. Pas de croque McDo. C'est quoi des trucs McDo? Ça vient avec la boisson et la frite? Ah oui, vite, ben, menu. Un menu. Comment on fait? Ah, nos menus. Ouais, voilà. Ah. Vous êtes québécois? Ouais. Je pense que c'est pas du coup les mêmes noms au Québec. Non, c'est trio. Trio, ok. Des fois, on dit pute. C'est comme en anglais. Pour moi, ça, c'est un gros mot. En France, c'est comme ça, mais pas au. Ok, je vois. Ok. L'eau pétillante,
Je vais prendre une petite pute. On prend là un peu. Même les gros bains, en fait. Ouais, hey, les bains sont. Oh, c'est bien! Je suis tellement tanné de t'entendre juste. T'as cette affaire là. C'est patate. Il y a genre du bacon sur le pain. C'est correct. Fait que le bacon. Ouais. Fait que checker ma face, c'était bien correct, mettons. Fait que je suis retournée me coucher à l'appart quand soudainement j'ai entendu Alex hurler parce qu'il y avait une énorme guêpe dans sa chambre. Ah, t'as fermé la porte? Oui, si. J'ai bien trop peur. Si ça, ça te pique, tu perds ton bras, genre. Montre. Là, comment? Je veux pas qu'elle sorte d'ici. Il y a une nasty grosse guêpe. Grosse de même. Quoi? Putain, c'est toi. Je te jure, c'est un Pokémon. Attention parce qu'il va peut-être sortir. Et huge! Et dans la porte. Ah! Tu fais quoi? Quoi couper? Non! Non! Oh, oh merde! Tu as quoi la tête? Oh, il est gigantesque! C'est vrai qu'il est gros! Donne-moi un cintre! T'en veux un cintre? What the fuck? Je vais? Non, faut pas que tu l'agresses! Hein? Faut pas que tu l'agresses là, il va te piquer! Je vais. Non! Jane, j'ai une spatule. Non! Mais dans le champ? Elle est sur moi. Hein? Et sur toi. Non! Non, viens. Viens. Non. Hey, vite! Criez pas, là. Je veux pas que vous l'ayez. Ah! Fuck! L'as-tu vu? J'ai suivi sa tête. Oh! Oui! Il y a quelqu'un qui a une grande pastille. On dit fermer grosse allure. Désolé, il y avait une abeille. J'ai tué cette pute. Holy shit, elle était huge. Ah oui, elle était genre grosse en main. Ben non, genre ça là. Genre ça là. Là, dans mes matins, je me suis maquillée comme ma stylist Jen m'a montré. Vous me direz si c'était pas pire là, mais en recheckant le footage, je trouve que j'ai moyennement foiré là. Mais bon. Tu te maquilles? Mm-hmm. C'est la première fois que je me maquille. Tu veux que je te montre comment? Oui. Comment tu sais? Ma face est-tu bizarre? Oh wow, you're beautiful. C'est vrai? Mm-hmm. Es-tu lagué encore? Ouais. Moins un peu? Un peu. Fuck. J'ai payé, rime avec. Tramway! Ah! Pourquoi il y a genre un pocket ici? Qu'est-ce qu'on est bien en France? Oh! Il faisait chaud à tabarnak, mais on a marché 15 minutes pour se rendre au centre-ville du Mans pour prendre le tramway vers le circuit Bugatti. Est-ce que vous savez s'il faut payer pour... 1,50€. 1,50€, mais il faut le payer comptant? En espèces? Oui. Oh! Oh shit! On n'avait pas mangé ni rien bu de la journée, fait que je suis partie acheter des bouteilles d'eau avant que le tramway arrive, mais... Yo, 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 yo! Go, 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 go! Go, 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 go! J'ai pas eu le temps d'acheter de l'eau. J'ai eu chaud pour rien. Comment ça marche? Alors, le mettre comme ça, vraiment. Capricieux, oh! C'est pas du tout intuitif. Merci. Merci. Au Québec, faut checker une tête. Arrivé sur le site, on a rushé en tabarnak à trouver où on devait aller. Genre, on a demandé à cette personne-là, mais ça nous a pas plus aidé. Fait qu'on a marché, marché, marché. On a redemandé de l'aide, on a marché. On s'est fait virer de bord, on a marché. On a redemandé, on a marché encore. Puis finalement, lui, il nous a aidé pour vrai. Si tu vois ça, je t'aime. Let's go! Ah, tabarnak, lentement, mais sûrement. Tabarnak, on est tous morts, genre. Là, on est bien, là, il y a de l'accident. J'ai trouvé Cocotte. Ah ouais, Cocotte, continue comme ça. Elle est en mode dude à RDS, on dirait genre Alain Crête. Dans le pavillon VIP, il y avait un open bar et un buffet typique français. C'est de la rillette, ça? Ouais, c'est bon, la rillette? Oui. C'est halal? Non, non. C'est bon? Ouais. Sur 10. Je pense que je préfère les crotons par contre. C'est-tu halal? J'ai pas, mais j'ai envie de dégueuler. T'es même pas halal. La première fois que j'étais allé au Subway avec Cheyenne quand on avait genre 7 ans, je pensais y manger halal. Il m'a demandé, c'est quoi tu prends? Je suis comme, sandwich au jambon, mais ah, oh, toi tu peux pas. Puis comme, je vais prendre un sandwich au jambon. Je l'ai bouffé pis j'étais comme, what the fuck? Qui c'est que je te mange ton halal toi? Ah, oh, pis il y avait aussi un deuxième étage à ce pavillon là. Et
est habillé en bleu, comme nous. On a le plus beau outfit de tout le monde ici. Hickory, dickory, dock. Back from the dead is a miracle, doc. They counted me out. Moment of truth, counting it down. Underdog story was down for the count. Back with a mic, back on the beat. Le monde, il me texte tout pour voir de où ça vient. Je sais pas pourquoi il y a plein de filles qui veulent acheter ça à leur chum. Parce qu'on est fucking beau avec ça. Ouais, mais comme votre chum va pas ressembler à moi. Juste prenez-moi. Bruh. Quoi? Coco, t'as donné son snack à Alex. C'est quoi, hein? Jambon fromage, je pense. T'es monté comme un gold. Ça goûte la déception. Fait qu'on s'est régalé dans le buffet avec des beaux glizzies. La sauce, ça l'a fait crouch. Puis ensuite, on a regardé les califs et on a appris qu'on avait un accès encore plus VIP qu'on pensait. Regardez bien. OK, ça, c'est genre des trucs de presse, là. Vous êtes de la part de TVA? Ouais, je suis de la part de TVA. Je vais aller interviewer quelqu'un. Il manque un petit peu de réseau québécois ici. Je pense que c'est là ton kiosque, au bout, là, juste là. Hein? Vous êtes une chaîne québécoise, vous autres? Non. Non, une des radios de Radio France. C'est pas assez québécois, ça. Non. Nous, on est TVA. TVA, c'est... TVA. Tu peux avoir votre micro ou non? Est-ce qu'il passe ouais. Tout le monde ou... Non. Fait qu'il faut gueuler, dites Québécois ici, Québécois. Ouais, fait que finalement, on n'avait pas le droit d'être là. On peut pas poser une question? Mais parfait, mais TVA. Non, je suis désolée, je suis pas là. Je comprends quand même. Désolée, hein. Désolée. On aurait essayé. Donc, on est allé où l'entrée des pilotes derrière les puits. Puis checker, il y avait tous les chars des pilotes. Puis j'ai filmé une vidéo où je demande aux Français d'imiter l'accent québécois. Vous irez voir, là, c'est partout sur mon Instagram, TikTok, tout. OK, on a trouvé un magicien apparemment. C'est quoi ton nom? Gabriel. Je vais demander de choisir une carte. Montre-la la carte. Moi, je viens de la perdre dans le milieu du jeu. Je peux aussi couper le jeu de cartes. Tac. Sans regarder, je peux faire un petit coup. OK, maintenant, est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux? Stop. Je prends la première carte, donc celle-ci. C'était quoi la carte que t'as choisi? C'est le roi de trèfle. Le roi de trèfle? Ouais. Bon, en vrai, on n'est pas si loin que ça. Non. Non, pas mon charbon. Mais regardez, si je prends ce 3 de carreau, donc, ok? 1, 2. C'est pas mal, mec. C'est un sorcier, les gars. Ils sont flabbergastés, là. Merci. Mais c'est Harry Potter, quoi. Il l'avait mis, Calis. Toi, t'étais dans ses fesses. C'est sûr, il l'a mis dans son cul. Ça sent un peu à marbre. Hein. On est retourné à la clim en attendant le début de la course officielle. Et c'est le départ de la vraie course. 20 piastres sur SCH. Bref, merci pour la clim! Et c'est parti, la course a commencé, mais pas pour longtemps. Ça fait 4 tours sur 15, puis ouais. Maxime Viager, il est out. Il a crash. Ils sont deux out ou un? Ils sont deux, les deux qui se sont commencés en réunion. Ils se sont mangés les fesses à la fin de course. Fuck! Dans le pavillon, on était, il y avait toutes les familles des pilotes, donc on ressentait un genre de mélange d'émotions bizarres suite à l'accident. Je pense que c'est fini, je suis pas sûre. Les gens sont en train d'attaquer la piste, là. Tout le monde saute les barrières. Oh! What the fuck? Ouais, on voit qu'il y a moins de cardio, il y en a qui font ça. Toi, t'es plus punché, là, t'as fini? Fini, punch out. Il nous amène aux loges, donc vous allez me suivre. Là, je suis brûlée. Yeah. Ah, tabarnak! Un, bleu, trois bleus. Je sais pas si c'est possible encore d'aller à la loge en haut. Eux, ils peuvent rester, je veux juste aller chercher des bouteilles d'eau. Merci, je reviens. Tu vois rien à cause de la lumière. Esti, on te voit pas. On te voit. Ah! On... Oh! Allez, hop! Ah! Hey! Ali, attrape! Non! C'est correct, il me reste une gorgée! Bon, ben. Il va partager. Non, c'est correct, j'avais pas une pas soif. Wow! Pas si mon boss, ça a tout seul, il est off. J'en ai des fois, t'as-tu tombé dans le bol? Non. Ok. Diane, pourquoi t'as bien craché dedans? Est-ce que c'était mouillé? Ah si, j'arrête pas de dire ça.